Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as vu dans le dernier épisode, on se venait sur la planète Pukitao. Alors, à mon avis, on va devoir être là pour sauver un petit peu la flotte de cette planète. Si tu veux détruire ces engins, il va falloir qu'on améliore ton vaisseau. Et il se trouve que le plus grand expert en amélioration de la galaxie est ici pour une convention de BD. Viens, je vais vous présenter. Donc tu vois bien. C'est chaud depuis que les Blarks ont lancé leur attaque. Ce sont de vraies saletés, mais ils sont délicieux quand on sait comment les cuisiner. Je devrais améliorer les autres armes. Et on a encore des saloperies comme ça. Mais tire dessus, toi. Le t-shirt, mais tire pas dessus. Hey, c'était pas mal. C'est mon frère qui t'a appris à faire ça. Non, le mec tranquille, il me regarde, il tire pas. Avant que ces moissonneurs hydrauliques ne débarquent et ne viennent tout gâcher. Le voyage a duré combien de temps? Je m'y suis mis il y a 10 ans maintenant. Et je commençais tout juste à sortir de beaux poissons. Mais c'est... C'est quoi cette pêche là? Après, je me dis quand même, pour un vieux jeu, tu vois, il est vraiment bien fait quand tu vois les cinématiques. Ne restons pas là. Oh non, encore des poissons globes. Vous pouvez nous en débarrasser, pas vrai? J'aime pêcher, mais pas me battre, vous comprenez? Je crois qu'ils sont tous morts. Allez. On va le laisser quand même. Le robot, au moins il prend du level. C'est une des armes que j'ai le plus de mal à augmenter. C'est la cascade de Torgoff. Grim et moi, on marchait jusqu'en haut à chaque vacances pour chercher des boulons en or et ce genre de choses. Un jour, il m'a même mis au défi de la descendre dans un tonneau. Autant dire que j'ai jamais vu notre père aussi furieux. C'était le bon temps. Des poissons globes.
Alors le, il y a des armes que j'ai pas encore. Alors, comment va ce vieux Grim? On s'est presque pas parlé depuis que j'ai quitté la galaxie de Polaris pour venir m'installer ici. Il tient un garage, c'est ça? Oui, sur Veldin. C'est petit même. C'est plutôt cool. On fait des conversions pour le Volt et des capacités de protons, ce genre de trucs. Et maintenant, tu es Ranger Galactique. Grim doit être fier. Ben, à vrai dire, je ne sais pas. Je devais l'aider sur le décapage au proton, mais je suis parti précipitamment. J'espère qu'il ne manque pas de temps. Ah, t'inquiète pas. Après tout, tu défends la galaxie. C'est quand même bien plus important qu'un décapage au proton. C'est cool. Ça va pas l'aider. Mon ami n'est pas très loin d'ici. Il devrait pouvoir t'aider. Alors par contre tu perds énormément de temps. Il pourrait quand même aller plus vite je trouve. Parce que là, laisse tomber quoi, tu mets 1 heure à faire tout le tour de l'île. Bah après c'est sûr, hein, tu vois le décor, tu vois tout ce qu'ils font. C'est Oh, vraiment beau. super! Le pont est déployé. Ces blagues commencent vraiment à me taper sur le... Merci. Allez, on n'est plus très loin. Voilà, on prend du level tranquillo. T'es obligé vraiment d'être très haut pour les avoir. Je vais aller trop vite. Mais normalement, il était activé son pont. Alors là, ça a été fait. Maintenant, il y en a un deuxième. Oh, vous faites chier. Ça me donne envie d'aller à la pêche là. Bien joué. Allez, rentrons à l'intérieur. Hey Al, tu peux nous ouvrir? Après, ça dit des jeux style Ark, Dofus, etc. Bah, Dofus, je sais que j'ai une petite aventure derrière.
Mais toi, est-ce que ça te dit ce genre de jeu? Parce que je sais qu'il faut que je fasse des vidéos par rapport à ce que moi j'ai envie, mais moi j'ai bien envie également de faire des vidéos pour toi, tu vois, des vidéos qui te font plaisir. Et si certains jeux te plaisent moins que d'autres, en fait, je vais pas sortir des vidéos toutes les semaines sur ce jeu, tu vois. Je préfère mettre un petit laps de temps pour sortir d'autres vidéos plutôt que de sortir que des vidéos sur ce jeu-là. Alors, je les laisse prendre un petit peu d'avance. Là, maintenant, j'y vais. En même temps, je vais faire le plein de munitions. Ah ouais, faut pas les presser. Toi, quand t'as pris l'habitude de faire des let's play là maintenant, tu vois, de jeux qui viennent de sortir, ça va super vite. Et là, les anciens jeux, tu mettais 2 heures à avancer. Donc là, c'est pas le plus dur à faire, hein. Ça va aller assez vite, ce monde. Ah, il veut pas lui. On va aller récupérer le dernier. Au moins, on peut tout balancer dessus. Voilà, il est où lui? Il est là.
Normalement, c'est bon. Alors, comme je te disais, c'était pas le plus compliqué à faire. Maintenant, c'est. Voilà, c'est beaucoup de patience. Puis là, je commence à avoir un petit coup de pompe aussi. Il commence à se faire tard. Ah, tu vois carrément la différence. Hein. Barrière désactivée. On peut peut-être progresser dans la station de pompage maintenant. On va dans quelle porte? Bon, allez, on va aller là-bas. Alors comme je te le disais, une fois que je suis niveau 5, une fois que l'arme là est améliorée, bah c'était quasiment invincible dans le jeu. Maintenant, j'évite de l'utiliser à chaque fois. J'évite également de d'améliorer que cette arme là. Parce que bah voilà, après une fois que tu arrives vers le boss final, tu as besoin de toutes tes armes. Et malheureusement, la première fois que j'ai fait ce jeu, j'avais quasiment tout le temps la même arme qui était améliorée. Et du coup, je me suis bien fait baiser comme un bleu. Oh, en fait, c'est celui-là qui doit aller là. Et l'autre il doit venir là. Comme ça fait comme ça. Parfait, toi. Toi, on dirait la tête de mon ex-belle-mère. Oh bah allez, c'est reparti, on remonte, on remet de la flotte. Voilà, c'est ce que je te disais. Tu vois la puissance de frappe, tu balances ça, c'est bon. T'as fait toute la map. Tu vois, t'es tranquille. Tu restes là, y a personne qui te touche. Bah, tu vérifies quand même autour, hein. Oh. Mais non, je voulais faire ça, moi.
Ok, c'est vrai qu'il y a ça. Alors revenir en 2D, franchement, c'est assez compliqué. Moi, je suis pas habitué. Donc là, c'est déjà mieux en fait. T'arrives à... Pour le moment, les crafters comme ça, c'est pas le plus dur. Voilà, ça c'est ramassé. Oh putain, je l'avais. À une seconde près, je l'avais. Mais fais chier. Puis là, ils ont remis toutes les bombes. Ouais, tu perds quand même masse de boulons. Hein. Là, y a rien là, non, y a rien. Donc là, faut continuer, c'est là-bas. Ah, j'y reviens. Ah, j'aurais pas dû faire un tour. Non, là, j'y reviens. Donc c'est là-bas que je dois aller. Là, tu vois, j'en use un petit peu beaucoup, même beaucoup trop, je devrais pas l'utiliser autant. Mais voilà, c'est le jeu, ils l'ont mis. C'est fait pour l'utiliser, c'est fait pour aller le plus vite possible. Alors, on ramasse ce qu'on peut ramasser. Oxygène.
pas pouvoir respirer sous l'eau. Allez, on va aller sur l'autre station. Alors, on a fait tout le tour. Voilà. Il n'y a aucun objectif, on a fait ce qu'il fallait faire. Trouve un moyen d'atteindre le haut de la cascade. Ouais, ça je l'avais fait, mais je me souviens plus comment. Alors, franchement, ça c'est un truc qui était excellent. Moi je kiffe. Là je kiffe, t'es plus obligé de remonter. Tu pourrais te dire les poissons ils vont venir t'attaquer, mais même pas en fait, ils t'attaquent juste parce que t'étais sur le bateau. Là, c'est les mobs les plus simples. Voilà. Je dois aller le plus haut. C'est ce que je fais. Voilà, ça c'est fait. Les cravis sont dead. J'ai toute ma vita et je suis tout en haut de la cascade. Merde, je pensais l'avoir. Oh, t'es comme ça, toi. Viens voir. Et voilà. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Planquez-moi, on est sur Pokitaru. On vient d'empêcher Drake de siphonner les réserves en eau de la planète. Vous y êtes allé sans moi? Je veux dire, pas de problème. C'est bon. L'heure est venue de lancer l'attaque contre Drake Industries pour mettre un terme à la perfidie des Blark. Bien reçu. Là, j'ai pas écouté ce que je devais faire. Et merde. Ah bon, on revient. Voilà. Ça, c'est fait. Et si je veux là-dessus, je peux rouler tout seul? Non, je peux pas rouler tout seul. Ah, fais chier.
Ah, c'est fait, on arrive tout en haut. Il me reste quoi en mission à faire? J'ai tout fini. Je regarde, hop, je prends les trucs, j'améliore mes armes. Alors là, le combusteur magma il est quasiment fait à fond. Voilà, au moins il sera fait à fond après. Voilà, lui il est fait à fond. Lui, je l'ai pas encore fait, lui non plus. Lui, il m'en manque pas beaucoup et je l'ai fait. On va faire celui-là. Au moins après, on n'a plus besoin de faire demi-tour, tu vois. Voilà, lui est fait. Maintenant, un autre que j'utilise pas mal. Et ça m'étonne que j'utilise déjà le sniper. Mais c'est pas... Voilà, en fait, d'un niveau à un autre, et d'une façon à une autre, je le fais différemment. Et d'un côté, c'est peut-être pas plus mal. Alors, il nous reste Khartoum. Khartoum. Donc, ça sera pour une nouvelle vidéo. Alors, il est 1h30 du matin. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais le faire pour la semaine prochaine. Pour la prochaine vidéo, pardon. Pourquoi je parle de la semaine prochaine, moi? Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Khartoum, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Rax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Drake Industrie est juste devant. Allons-y. Alors, on est sur Khartoum. Donc, je te dis que c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la suite de cet épisode. De cette aventure, de ce let's play sur la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, c'était Chérika.